Coucou, 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 salut tout le monde. Coucou, salut maman Moulot. Comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. J'espère que vous me voyez. Coucou, coucou, bonjour, maman Morissette Moulot, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Bon dimanche aussi à toi. Bon dimanche. Sois la très bienvenue sur cette chaîne, maman Moulot Morissette. Merci pour ton soutien. Comment est-ce que toi tu vas? Est-ce que tu vas bien? Ok. D'accord, Dieu merci. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va faire cette petite vidéo sur le AG, c'est-à-dire l'Assemblée Générale du nouveau parti du président Laurent Gbagbo. On va parler un peu de la politique. Notre sujet phare. Nous allons en parler dans cette vidéo et décortiquer le discours de Madame Le Rougnon. On va l'écouter ici dans cette vidéo, mettez les cœurs déjà. Et puis aussi, on va parler de la vision. La vision qui est d'après M. Katina, le président Laurent Gbagbo, dans ce nouveau parti-là qui va être mis en place le 17 octobre 2021. Coucou, salut Morissette Quadio. Oulala, toutes les Morissettes sont sur ce direct. Tu es la bienvenue, ma soeur Morissette Quadio. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Merci d'être présente dans ce direct. Alors, je crois que je vais commencer la vidéo. Mettez les cœurs. Gagaga. Oui, mettez les cœurs pour votre Lisa et on va commencer la vidéo. Commencez à partager. D'ailleurs, ceux qui sont là, qui me regardent, signalez-vous, je vais vous faire des petits coucous avant de commencer la vidéo. On va commencer en fanfare, c'est-à-dire on va commencer un peu chaud. Et puis, ben, on ne va pas trop durer, je ne vais pas trop prendre du temps. Et puis, on va faire cette vidéo comme ça. D'accord? Donc, mettez les cœurs. Signalez-vous, je vous fais des petits coucous. J'espère que votre dimanche, ça se passe très bien, tout calme. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous avoir encore sur cette vidéo, sur cette chaîne. Merci pour tous les partages, les commentaires. Régalez-vous, mettez autant de commentaires, car la Côte d'Ivoire a besoin de vous. C'est votre pays, la Côte d'Ivoire, you know. Personne ne va venir faire quelque chose pour vous, c'est-à-dire c'est vous-même, votre engouement, qui va faire que vous allez récupérer votre pays dans la détermination, dans l'abnégation, dans le dévouement, et puis aussi dans la liberté d'expression sans peur et sans crainte. Coucou, salut Jean-Olivier Étiré, bonsoir à toi mon frère, depuis ta position, sois béni, grand frère. Je salue aussi Ayao Danon. Salut combattant ou combattante. Sois la très bienvenue. Mettez les cœurs. Nous allons parler de la vision. Commencez déjà à partager. Mes frères et sœurs, commencez à partager au calme. Est-ce que vous me voyez bien? Dites-le moi et on va commencer la vidéo. Signalez que vous me voyez et puis on va commencer. Je crois qu'il n'y a pas trop de soleil, mais signalez-le moi et puis on va commencer cette vidéo tranquillement. Est-ce que vous me voyez bien?
Alors, coucou, salut Basile Goué. Il me demande, ok, merci. Merci. Ok, très bien, Morissette, quoi. Dit, ok. Alors, voilà une personne qui demande que Lisa se présente. Alors, je vais voir son nom rapidement. Et je vais me présenter. Olivier, non pas Olivier, pas Monsieur Olivier, plutôt à Goué. Goué qui demande à Lisa de se présenter. Alors, je vais me présenter un peu, un tout petit peu, parce que sachez que Lisa, c'est une dame très mystérieuse. Lisa n'aime pas, Lisa est très, très, très discrète, parce que le travail que nous faisons, il faut beaucoup de discrétion, il faut beaucoup de concentration, pour notre sécurité nous-mêmes, et puis aussi pour garder le cap. Alors, sachez que Lisa, ben, Lisa, c'est une Ivoirienne qui a fait ses études en Côte d'Ivoire, et après qui a fait ses études à l'étranger, juste d'un certain âge. Lisa n'aime pas trop parler d'elle. Lisa n'aime pas trop parler, désolée, mais je suis Ivoirienne, je suis cyberactiviste, j'étais cyberactiviste pro-Gbagbo, depuis 2015, J'ai fait des vidéos pour dénoncer la façon injuste dont le président Laurent Gbagbo a été amené à la CPI depuis 2015 sur les réseaux sociaux. Je me suis mise dans les réseaux sociaux. Je suis la deuxième génération des cyberactivistes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, après la génération des Johnny Pacheco. Donc, c'est comme ça que je me présente. Plus tard, quand tout va aller dans l'ordre, c'est-à-dire quand les choses vont évoluer, je vais plus parler de moi. Mais pour le moment, ce n'est pas une question de Lisa. Lisa, je suis aussi sur YouTube. Vous pouvez aller voir mes vidéos, aller voir les vidéos des autres cyberactivistes. Et actuellement, je continue de parler de la politique. Et puis, je continue de parler aussi de tout ce qui est la souveraineté de la Côte d'Ivoire, et puis aussi de la justice, de la liberté d'expression, etc., etc. Et donc, je peux dire actuellement, mon bord, c'est tout ce qui est souverainiste. Je suis souverainiste, je suis républicaine, tout ce qui a trait à la Côte d'Ivoire profonde, la Côte d'Ivoire authentique, c'est Lisa. C'est Lisa. Donc, voici de façon succincte ma présentation, moi Lisa. Donc, voici. Alors, j'espère que ma réponse a été plus ou moins, mes réponses étaient plus ou moins conséquentes, j'espère, pour celui qui m'a demandé de me présenter. Et donc, voici Lisa. Alors, ce matin, nous allons parler de la politique, notre sujet phare. Notre sujet emblématique, la politique. J'adore les sujets de politique parce que c'est là que j'arrive à mettre ce que je sais, ce que je comprends en exergue pour faire comprendre mes frères et mes sœurs ivoiriens et ivoiriennes. Je n'ai pas la science infuse, mais cette fois-ci, dans la politique de mon pays, je veux avoir mon mot à dire. Je me suis orgueillie cette position-là pour participer. Je ne veux pas toujours rester en arrière. Je suis d'un certain âge, comme je le dis, et j'ai mon mot à dire, et je vais le dire, et je l'ai dit depuis 6 ans. Et j'ai fait mes preuves. Et donc, je suis un cyberactiviste très avéré. Je dis bien très, très, très avéré, malgré que je n'ai pas la science infuse. Et donc, nous avons fait des vidéos pour le président Laurent Gbagbo. Cet homme emblématique, cet homme de caractère, ce personnage plein de charisme, nous l'avons fait sur les réseaux sociaux. Vous avez vu le 17, le 17 juin, ce qui s'est passé à l'aéroport. Au début, nous avons soupçonné tout cela sur les réseaux sociaux. Parce que mes frères ivoiriens et ivoiriennes, lorsque tu continues à faire les vidéos, lorsque tu fais les analyses, lorsque tu es sérieux, lorsque tu fais des recherches, lorsque tu t'imprègnes de façon naturelle, des fois tu peux prognostiquer, diagnostiquer, voir, comprendre, analyser de façon succincte et pertinente ce qui se passe
dans la politique de la Côte d'Ivoire. La politique de la Côte d'Ivoire, c'est très, très difficile à comprendre. Parce que ça englobe beaucoup de paramètres. Je dis, mais ça englobe beaucoup de paramètres. Des paramètres des politiciens eux-mêmes en Côte d'Ivoire et les paramètres de l'occidental, c'est-à-dire des forces étrangères. Et donc, la géopolitique de la Côte d'Ivoire est très, 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 très compliquée. Elle est très complexe à comprendre. Mais lorsque tu le fais de façon routinière, de façon habituelle, tu commences à avoir ce feeling de ce qui va se passer. Tu commences à avoir des ressentiments. Tu commences à sentir certaines choses. Et donc, c'est la raison pour laquelle souvent, quand je fais les analyses, la plupart du temps, mes analyses sont à 95% vraies. Je dis bien 95%. Ça, c'est parce que je suis humble. Sinon, je peux dire même 98% vraies. Malgré que je suis jeune, malgré mon jeune âge. Et donc, nous avons fait ce mouvement de Mme Simone et Yves Gbagbo. Ça s'est très bien passé. C'était royal. On était très heureux. Et les Ivoiriens ont répondu à l'appel. Elle a expliqué la vision. Qu'est-ce que c'est que la vision? Elle a bel et bien expliqué. Et les Ivoiriens ont une idée d'où on quitte et où on part. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo en ce qui concerne l'Assemblée générale de l'ancien FPI, c'est-à-dire l'ancien FPI qui est en train d'éclore à un nouveau FPI? Je le fais parce que ici, dans cette vidéo, vous, les internautes, vous, les Ivoiriens et Ivoiriennes, je vais vous mettre sur le fait accompli, sur les faits accomplis, afin que vous ayez une claire vision de ce qui se passe dans cet ancien FPI-là, qui est en train d'éclore à un nouveau FPI, ou bien un nouveau parti, dirigé par M. Laurent Gbagbo. Et aussi, ce mouvement de Mme Simone et Yves Gbagbo et tous les partis politiques, y compris. Et donc, lorsque nous écoutons Mme Lorugnon dans cette Assemblée générale-là, il y a encore cette cacophonie. Il y a encore ce trouble de façon terminologique. Il y a encore des troubles lorsqu'il s'agit du vocabulaire, c'est-à-dire les notions phares dans son discours, les notions qui perdent les Ivoiriens, les notions qui font que les Ivoiriens ne comprennent pas, qui font que les Ivoiriens ont toujours été dans le suivisme. Être dans l'aveuglement lorsqu'il s'agit d'un leader. Ici, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe avec cette Assemblée générale, ou bien ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle voulait dire, Mme Lorugnon. Nous allons l'écouter, mais avant ça, nous allons prendre le discours de Monsieur Katina. Monsieur Katina, qui a dit que la vision du président Laurent Gbagbo, c'est le président Laurent Gbagbo lui-même en personne, en tant qu'entité physique et entité spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si M. Laurent Gbagbo n'est plus là, la vision là, elle est perdue. La vision là, elle se filtre. La vision là, elle se vaporise. La vision là, elle disparaît. C'est ce que M. Katina avait dit. Pourquoi je dis cela? Ici, je vais vous faire écouter de façon étymologique. Quelle est la définition du mot vision? Il y a deux, je peux dire, mais il y a trois définitions de la vision. La vision elle-même, une vision comme l'un des cinq sens d'un être humain. La vision
de façon définitionnelle, c'est-à-dire de façon définition, c'est-à-dire terre à terre en tant que vision, c'est-à-dire vision d'un film, ou bien vision politique, ou bien vision comme souhait, comme désir, comme réalisation, comme perception. Mais sachez que la vision part toujours du sens, le sens qui est l'œil. Et puis maintenant, il y a la vision en tant que vision de façon figurative, de façon figurée. Mais ici, j'ai posé la question à Google. Qu'est-ce que veut dire vision? Alors, on va donner deux définitions de la vision. La première définition, vision. Blouse, fonction par laquelle les images captées par l'œil sont transmises par les voies optiques au cerveau. De fait, action de voir, de regarder quelque chose, la vision de ce film peut choquer certaines personnes. D'accord. Ici, elle a donné deux définitions. Google a donné deux définitions. La première définition, c'est, on écoute. Blouse, fonction. Les images captées par l'œil. Fonction par laquelle les images captées par l'œil sont transmises par les voies optiques au cerveau. Sont transmises par les voies optiques par le cerveau. D'accord. Ça, c'est la première définition de la vision. On continue. De fait, action de voir, de regarder quelque chose. Donc, action de voir quelque chose. Action de voir. Donc, il y a ce que le cerveau là transmet là, c'est-à-dire de façon physique, et puis même l'action même de voir quelque chose. La vision de ce film peut choquer certaines personnes. D'accord. Donc, dans la vision, on sent que il y a le sens là, c'est-à-dire l'œil lui-même, et puis maintenant, c'est que l'œil fait, c'est-à-dire c'est l'action. C'est le comportement, c'est les faits que l'œil fait là. C'est ce qui est une vision. Après avoir écouté cette définition, il y a une autre définition qu'on va écouter aussi. Voici la définition du mot vision, perception du monde extérieur par la vue. Mécanisme physiologique par lequel les radiations lumineuses donnent naissance à des sensations visuelles. Ok. Cette définition, elle est presque la même chose. Comment la première définition, c'est toujours la perception. Et donc, le sens figuré de vision, à part la vision physique, et puis l'action de la vision, il y a la vision qui peut être comprise, sinon comprise comme représentation, comme un souhait, comme je peux dire comme quelque chose qui vient dans le futur, dans l'avenir. D'accord? C'est ça une vision. Maintenant, par analogie, si nous nous référons à une vision politique, ici, à l'Assemblée générale de ce nouveau parti-là, en mouvance, à la tête, le président Laurent Gbagbo. Mais ce qu'on est Katina nous dit que la vision elle-même, c'est le président Laurent Gbagbo. Est-ce une erreur de sa part? Ou est-ce un égard de langage? Ou est-ce une démagogie? Parce que, selon même le mot vision, la vision ne peut pas être une entité physique. La vision, c'est la perception. La vision, c'est l'action que fait l'œil sur quelque chose et qui ramène un certain éclat à l'œil. Maintenant, le deuxième sens figuré, la vision,
C'est une représentation, c'est-à-dire que c'est une représentation, donc elle est extérieure. Une représentation hors de la personne physique. Donc ici, on peut dire que M. Katina est un démagogue. Mais ce Laurent Gbagbo ne peut pas être la vision en lui-même. C'est pas vrai. C'est être démagogue. On peut dire ça à des mamans qui vendent Bofloto et puis Nyomi dans les rues de Côte d'Ivoire. Mais à des personnes intellectuelles, des personnes qui sont dotées d'un esprit critique et non de critique, comme Lisa, comme beaucoup d'Ivoiriens intellectuels, on ne peut pas dire que la vision est une seule entité physique, une seule personne, c'est pas possible. C'est de la démagogie pure et simple. C'est une manière de divaguer, c'est une manière de perdre nos mamans. Parce que vous avez compris que nos mamans, les femmes, leur électorat en Côte d'Ivoire, vous pouvez les manipuler. Mais nous, sur les réseaux sociaux, nous, vos enfants, nous n'allons pas vous laisser vous perdre. Monsieur Katina, c'est un abus de langage. Monsieur Laurent Gbagbo ne peut pas être la vision. C'est de l'idolâtrie. Je dis bien, c'est de l'idolâtrie. Monsieur Laurent Gbagbo n'est pas un fétiche. Ou bien n'est pas un sacrilège, je ne sais pas. Il n'est pas quelque chose de sacral. Non, il n'est pas sacral. C'est un être humain. Par contre, si M. Katina disait que, par contre, si il disait que le président Gbagbo incarne la vision, il porte la vision et il peut amener cette vision à se réaliser, là je peux comprendre. Là je peux saluer cela. Coucou, salut les filles. Salut la force tranquille. Salut, fais vite ta vie à Oulaba, ma soeur. Je te fais de gros bisous. Coucou, salut Koti Touré, mon frère. Je te fais de gros coucou. Et donc, M. Kone Katina est en plein divaguement. Il est en plein trouble psychologique. M. Laurent Gbagbo ne peut pas être la vision. Il porte la vision. Il incarne la vision. M. Laurent Gbagbo est le contenant du contenu qui est la vision. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas perdre nos mamans. Nous sommes là pour montrer à nos mamans qui elles doivent voter. Vous n'allez pas envoyer nos mamans quelque part. Ceux qui veulent vous suivre, ils n'ont qu'à vous suivre. Nous, on n'est pas dans votre affaire. Je vous ai déjà dit. Mais à partir, après cette vidéo-là, la vidéo qui va venir, que je vais faire là, à propos de vous, les gens de Gbagbo, là, c'est après votre assemblée, je sais pas, après votre réunion du 17 septembre, là. C'est là que moi, Lisa, j'ai décidé si je dois vous suivre ou pas. Mais actuellement, là, notre pied est derrière ce caillou. C'est clair. Moi, je suis pas dans les, moi, je suis pas dans les détails. Moi, je suis une personne claire. Quand je fais quelque chose, je sais où je vais. À partir de votre réunion du 17, là, je vais proclamer sur les réseaux sociaux que je ne suis plus avec vous. Je ne vais plus vous défendre. Parce que moi, je ne me reconnais pas en votre combat. Je ne me reconnais pas en ce que le président Gbagbo lui-même soit la vision. Et si le président Gbagbo n'était pas venu? Et si le président Gbagbo n'était pas là? La vision était perdue. La vision était suspendue. La vision n'existait pas. La vision était du néant. Et donc, c'est de la démagogie. C'est du flaflatisme. C'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Nous ne pouvons pas évoluer dans cette dynamique-là. Ce dynamisme-là, ça crée des morts. Soyez véridiques avec les Ivoiriens. Un homme ne peut pas être une vision. Ce n'est pas possible. Un homme peut incarner une vision. S'il incarne, ça veut dire qu'il y a un contenant. Et le contenant-là, sinon le contenu, là, non. Oui, le contenu. Le contenu-là, c'est la vision. Je suis un peu mélangé. Le contenant. Parce que le contenant, il est dedans.
Et le contenu, c'est la ce qui porte le contenant. Je suis un peu mélangé. Non, le contenu là, c'est la feuille. Comme par exemple l'enveloppe et puis la lettre. Donc, l'enveloppe là, c'est le contenant. Le contenu, c'est la lettre elle-même. Les Ivoiriens ne peuvent pas toujours sortir. Vous ne pouvez pas faire des discours, carabistouilles, des, vous ne pouvez pas raconter des salades et des carottes, des tomates et des oignons à nos mamans. Si ils vous disent d'aller dans leur réunion là, partez. Mais quand vous allez voter là, nous on sera là pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne ne peut pas vous suivre. Comment vous pouvez dire que le président lui-même, il est la vision en personne. Il est caractérisé par la vision. C'est pas possible. Une vision, c'est les idées. Une vision, c'est l'idéologie. Une idéologie, c'est une théorie. Et cette théorie, cette idée-là, on l'a pour pouvoir l'actionner en dehors de la personne qui l'a. C'est de ça qu'il est question. C'est de la démagogie, tout simplement. C'est de la démagogie. Nous ne pouvons pas laisser ça passer. Raison pour laquelle nous avons l'impression que vous avez tout fait pour enlever maman Simone Gbagbo. Vous l'avez écarté. Et on va voir ça dans les dits de Lorugnon. Madame Odette Lorugnon. Nous allons voir ça ici. Vous ne dites pas la vérité. C'est la raison pour laquelle aussi que je me dis que le président Gbagbo, il est falsifié. C'est quelqu'un, on a seulement le président Gbagbo, mais ce n'est pas lui. Vous l'avez travesti. Ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, vous dites que c'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas lui. Il n'est pas dans son right mind. C'est-à-dire qu'il n'a pas, ce cran-là de nous parler. Tout ce que vous nous dites là, pour nous, c'est du faux. Pour nous, c'est du faux. C'est pas vrai. Même s'il a dit, n'a pas dit, il n'a pas cette autorité-là de parler. Vous racontez des choses pour raconter. Et c'est cette même idée-là que vous avez dit à Alet Zaté. Que Alet Zaté n'a qu'à dire que non, le président Gbagbo est la vision. Il ne peut pas être la vision, ce n'est pas possible. Même étymologiquement, de façon scientifique, de façon terminologique. Selon Larousse, selon le dictionnaire Larousse, selon Google, une vision ne peut pas être une entité physique, c'est-à-dire une personne comme ça, comme moi, avec la chair. Ça ne peut pas. Une vision, c'est une idée. Une vision, c'est une action de la chair qui est l'œil sur quelque chose extérieur. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. On va écouter leur réunion. Et puis, la température de la vidéo va monter. Mettez les cœurs, les Ivoiriens, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Coucou à toi, David. Sois la bienvenue. Dominique, Ariel Foco. Ah, bonjour, mon frère. Sois la bienvenue. Merci.
Et donc ici, et je suis très 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 fâché avec le président Laurent Gbagbo. Je suis très très fâché avec le vieux. Ici, Madame Le Rougnon, Odette, nous dit que nous étions dans la rue depuis 2002. Et c'était aux frais de qui? C'était aux frais de vous, les politiciens. Vous, le parti du FPI. C'était aux frais des Ivoiriens, des jeunes. Vous croyez que les Ivoiriens vont toujours être dans la rue pour vous? Je suis énervé et je suis fâché contre le président Laurent Gbagbo parce que j'ai entendu avant-hier dans la bouche de, comment elle s'appelle, Nathalie Yang, du leader, que au temps du président Laurent Gbagbo, lorsque les Français ont tué les Ivoiriens, lorsqu'ils ont tué les Ivoiriens là, ils ont porté plainte contre eux. Le président Gbagbo a dit qu'ils n'ont qu'à laisser tomber. C'est-à-dire que ils ont porté plainte, non? Après, le président Gbagbo a retiré la plainte. C'est sorti de la bouche de Nathalie Yam. C'est pourquoi moi, Lisa, qui ai défendu le président Gbagbo depuis 6 ans sur les réseaux sociaux, lorsque vous allez faire votre assemblée du 17 là, on va se laisser là-bas. Je vais entendre. Si lui me va parler, quand il va parler, s'il n'a pas parlé, que vous venez parler là, on va se laisser. Même si il parle là, on va se laisser quand même. Parce que j'ai l'impression que vous pensez que le peuple de Côte d'Ivoire est du bétail. Le peuple de Côte d'Ivoire sont des cobayes. Vous les mettez sur vous dans la rue, à vos frais, et ils meurent. Il n'y a jamais de funérailles pour eux. Il n'y a jamais de monument pour eux. À chaque fois que vous avez besoin de monter au pouvoir, là, vous formez les partis. Même si votre manière de faire, des fois, ça endommage les Ivoiriens, vous dites merci, avec moi merci, et puis c'est tout. Come on! Ça ne peut pas continuer comme ça. Tu dis, ça ne peut pas continuer comme ça. Et vous savez qu'actuellement, là, les femmes ont du pouvoir en Côte d'Ivoire. Dans cette politique-là. Vous voyez ce que je vois. Donc vous allez utiliser nos mamans qui vendent leurs beaux là. On casse les maisons là-même là. Vous ne dites rien. Vous ne faites jamais de philanthropie. Vous ne faites jamais des actions philanthropes pour ces femmes-là. Mais quand il y a des élections, vous venez vous placer. Vous appelez les gens dans leur inbox. Vous voulez qu'on vous aide à monter au pouvoir. Vous utilisez nos charismes, vous utilisez nos talents, vous utilisez nos potentiels, vous utilisez nos capacités, vous utilisez nos habiletés et vous nous jetez comme des serpillères, nous les jeunes. Vous pensez que nos parents nous ont mis à l'école pour vous seulement? Pour que vous montez au pouvoir, vous prenez nos charismes, nos habiletés, nos qualités, nos capacités, notre intellectualisme pour vous seulement? Vous, Madame Le Rougnon, vous avez fait ça combien de fois? Le président Gbagbo a fait 2 mandats. Son 2e mandat, il n'a pas fini. On a vu comment vous avez gouverné le pays là. On a vu ça. On veut du nouveau. On veut du changement. On veut quelque chose de nouveau. On veut quelque chose. On veut un autre style. On veut un autre style. C'est de ça qu'il est question. Et nous sur les réseaux sociaux, on va vous le dire. On va vous le dire. On va vous le dire. Les Ivoiriens, ça ne peut pas continuer comme ça. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Non, on est dans la rue depuis 2002. Et encore, dans 2021, on va aller dans la rue encore. Ichi, Ngboko, qui va aller dans la rue? Qui va aller dans la rue? On t'écoute. On est sur vous. Maman Le Rougnon, toi et moi, on est ensemble. On va zouker ensemble. On va zouker même. Si c'est le président Gbagbo qui est venu, qui t'a dit de dire ces discours-là,
On va zouker lui. Notre papa, on va zouker lui. On t'écoute. Regardez comme tu es fumiste, maman, sur l'Union. Tu es très fumiste. Connant les élections, faut pas tuer les Ivoiriens. Lorsqu'on voulait, on voulait faire les élections avec M. Ouattara, les élections passées, lorsque le CNT s'est mis en place et que le Nana Bédier et les autres ont dit non au troisième mandat, Mme Simone Gbagbo a dit non. Qu'est-ce que vous, les gens de RDS, vous avez fait? Le président Gbagbo même est sorti. C'est la seule fois où j'ai reconnu le président Laurent Gbagbo en tant qu'entité. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme physique, moralement, spirituellement, physiquement, avec tous ses sens. À part ça là, je ne le reconnais plus. Qu'est-ce que le président Gbagbo a dit? Le président Gbagbo a dit, ça serait un chaos. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit ça sur TV5. Oui ou non? TV5 Monde, oui ou non? Il a dit ça. Mais vous, les gens de RDS, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes quand même allé aux élections. Vous avez posé sa candidature. Pourtant, il était encore à la haie. Il lui a dit, c'est-à-dire que ce que lui dit et puis ce que vous faites est en déphasage. Est diamétralement opposé. Vous prenez les Ivoiriens comme des oiseaux. Vous prenez les Ivoiriens comme des... Ça fait rien. Je m'en fous. Ça peut pas continuer comme ça. Maman Le Rouillon, ça peut pas continuer. Il faut arrêter de raconter des carabistouilles. Il faut arrêter de raconter des jérémiades. Je suis avec toi. Je monte au créneau avec toi. Tu sors, je sors. Tu racontes du n'importe quoi. Des conneries de conneresse. Maman, c'est notre union. Aucun Ivoirien n'ira dans la rue encore. Avec ça là. Vous avez fait funérailles de ceux qui sont morts là. Ceux qui sont morts devant la résidence du président. Vous avez fait funérailles. Vous avez porté plainte. Contre l'armée française. Non. Vous avez étouffé l'affaire. Ce sont des enfants, c'est l'avenir des familles des Ivoiriens. C'est l'avenir des enfants des gens. Il y avait des docteurs, des astronautes, des inventeurs. Il y avait des enseignantes, des pilotes dedans, ces jeunes-là. Et puis ils vont recommencer encore. Qui va vous envoyer au pouvoir encore? Qui? C'est devant qui? C'est devant qui? C'est pourquoi? I don't take accountable to Mr. Gbagbo. He's not accountable. You know, he's not. Ça veut dire qu'il n'est pas. Ce que vous faites là, le plan Gbagbo, je le mets toujours à côté. Je vous dis, je le mets toujours à côté et je sais ce que je veux. Et je dis, c'est vous. Vous travestissez ce que le monsieur dit. You know, c'est du travestissement. Ça veut dire, vous le travestissez. Il est travesti. Ça veut dire, il est travesti dans les idéologies. C'est pas lui. Ça ne vient pas de lui. Ça vient de vous. Déjà, même vous accaparez du fait que vous êtes des pionniers ou pionnières. Et on m'entend dans ta vidéo, Maman Le Rouillon. Le monsieur n'a pas de voix. Le monsieur ne parle pas. Le monsieur est, il est, on peut dire, vous l'avez séquestré mentalement même. Politiquement, vous le séquestrez. Il peut pas dire ce qu'il a envie de dire. J'ai vu une vidéo où il marchait. Comme c'est quelqu'un qui était lucide, qui était bien. Mais pourquoi il parle pas? Son retour d'Italie là, j'ai vu une vidéo, mais je n'ai pas voulu mettre ça sur les réseaux sociaux. Il marchait bien. Mon papa marchait bien. Opa marchait bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous le séquestrez mentalement. Vous le séquestrez politiquement. Tout ce qui est autour de lui là. Vous là. Ça vient de vous. Ça vient pas de lui. Au pas qu'on voit, au pays là, c'est pas lui. On ne reconnaît pas ce qu'il fait actuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas lui. Peut-être que vous l'avez cloné même, on sait jamais. Peut-être que ce sont jumeaux même, on sait jamais. Prenez-nous au sérieux. Maman Le Rouillon, faut nous prendre au sérieux. On n'accepte pas, hein. On n'est pas dans votre affaire, on vous a déjà dit ça. Je vous ai pas dit, j'ai fait une vidéo. Je vous ai pas dit, vous allez sortir par la petite porte. J'ai dit que vous allez, si vous ne faites pas attention, c'est par la petite porte de la sortie. Actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de voir?
Qu'est-ce que M. Ouattara a dit? Il n'a pas dit, il va vous démanteler. Il va vous désamorcer. Il va vous déconstruire. Il n'a pas dit ça. Et qu'il va vider ce FPI de toute sa subsistance. Sa prophétie se réalise aujourd'hui. Depuis cet moment. Vous n'êtes pas là pour l'union. Vous êtes là pour la division. Et on va entendre ça dans ton dans ta vidéo, Maman Le Réunion. On va entendre ça. On va entendre ça. Tu as dit ça de tes propres yeux, de tes propres oreilles, de ta propre chair. Tu as dit. On va t'écouter. Soyez patients, les Ivoiriens. Otek Dabri Djegba, maman, sois salué. Coucou, salut mon chéri Eric Liri, sois salué. Sois salué, Koti Touré, mon frère. Je te fais de gros coucou. On s'en fout de ton merci. On s'en fout de ça. Moi, je ne me reconnais pas en ce que tu dis. Ce merci-là, c'est du fake. Ce n'est pas un vrai merci. Nous, on s'en cabat de ça. On s'en fout de ce merci. Mettez des cœurs, ils mettent des têtes de mort. Mettez des cœurs, ils mettent des têtes de mort. Mettez des cœurs. Mettez des queues, mettez des têtes de mort. Coucou, salut Alice. Coucou, salut Betty. Coucou. Salut Roméo. Oulier. Coucou à toi. Coucou, Betty Kaou. Salut, Betty. Coucou à toi, ma soeur. Pionnier où? Tu es pionnier où? Maman Le Réunion, tu es pionnier de FPI où? Tu n'es pas pionnier de FPI. Il faut arrêter de dire du faux. Tu fais de la falsification. Tu fais de la falsification. Tu n'es pas pionnier de FPI, Maman Le Réunion. Tu n'as jamais été pionnier. Tu n'as jamais été pionnier, Maman Le Réunion. Tu n'es pas pionnier du FPI. C'est parce que vous avez fait tout possible pour écarter le numéro 2 du FPI. La vraie pionnière, l'authentique pionnière, la charismatique pionnière, l'icône pionnière, Kungolo Kelempé pionnière, le docteur Simon Eyive Gbagbo, c'était l'une des pionnières du FPI. Vous êtes un parti de démagogues. Vous êtes dans du faux et d'usage de faux. C'est de ça qu'il est question, Maman Le Réunion. Il faut arrêter de nous raconter tes jérémiades. Tu ne dis pas la vérité. Nous sommes dans la vérité. Nous, sur les réseaux sociaux, nous les Ivoiriens, nous sommes dans la vérité. Tu n'as jamais été pionnier du FPI. Arrête de mentir à nos mamans qui vendent les trucs là. Arrête de mentir à nos mamans de Paboué. Arrête de mentir à nos mamans de Vridi. Ça ne peut pas passer. Il dit, mais ça ne passera pas.
cette supercherie, maman, leur union, c'est pas palabé. Ça, c'est politique. C'est politique. Ça ne peut plus passer. Cette lettre ne peut plus passer à la poste. On est au grain. On veille au grain. Tu n'as jamais été pionné. Tu racontes que tu es pionné. Pourquoi? Vous prenez ce qui est faux pour faire le vrai. Tout ce qui brille là, ce n'est pas de l'or. Hein? Tu viens de faire croire que tout ce qui brille est de l'or. C'est faux. Tout ce qui brille là, ce n'est pas de l'or. Ça peut être pacotille. Ce que tu racontes là, c'est de la pacotille. C'est de la pacotille politique. Arrête de nous distraire. Nous, nous sommes lucides. Il dit, mais nous sommes très, très, très lucides. Et on t'écoute. Maman Le Réunion, on t'écoute. Alors ici tu parles de militants, excusez-moi hein, les Ivoiriens. Ici tu parles de militants et que les militants, c'est ça qui est le contenu. Et puis le contenant, c'est l'enveloppe qu'on a donnée à FI. Mais maman, leur union, on vous avait dit dans les vidéos aussi que vous serez écorchés de façon militantisme. Vous serez écorchés. Ça veut dire que vous serez divisés. Vous avez divisé ce FPI-là, ce grand parti politique-là. Vous serez écorché. Vous êtes divisé en trois. Vous êtes divisé en trois. La prophétie se réalise sous nos yeux, devant nous comme ça, fa. Vous êtes divisé. Maman Simon va prendre une bonne partie. Ressaisissez-vous maintenant, là, avant votre 17 là. Le 17 là, c'est une date très importante pour moi. Ce 17 là. Tous les 17 ans, c'est une date très importante que je ne vais pas dévoiler ici. Mais, on vous a dit que vous serez divisés. Très, très, très divisés. La preuve en est, tu l'as dit dans cette vidéo. Il faut qu'on se sépare. Donc, ça veut dire quoi? Le président Gbagbo n'était pas venu pour unir. Il est venu pour séparer. Parce que ce que l'homme marche là, il laisse des traces. Et les traces qu'il pose là, c'est des traces. C'est une traçabilité de séparation. Hein? Vous êtes ami à M. Ouattara. Votre ancien ennemi, vous êtes allié à lui, vous êtes ami à lui. Et vos anciens amis, vous êtes ennemis à eux, de nouveau. Avec vous, on part de séparation en séparation. C'est quelle partie ça? C'est pourquoi j'ai toujours dit que l'œil dure. Du FPI là, c'est vous qui êtes resté actuellement là. C'est vous. J'ai dit, mais c'est vous. Le président Gbagbo était censé nous unir. Nous, c'est ce que nous imaginions. C'était notre rêve. Avec M. Ouattara, vous êtes allé faire amitié. Maintenant, avec Maman Simone et puis Afi, vous vous êtes séparés. Mais c'est quelle partie ça? C'est quelle partie ça? Vous allez de séparation en séparation, de division en division. Et ce n'est pas la première fois. Vous avez toujours été ce parti qui se sépare des gens. Monsieur Mamadou Koulibaly, vous vous êtes séparé de lui. Et bien d'autres encore. Et nous savons le cerveau de la séparation. Nous connaissons le nom du cerveau de la séparation. Nous connaissons le nom de la genèse de la séparation. Nous connaissons le noyau. Nous connaissons le stène. Nous connaissons l'atome. Nous connaissons la molécule dans ce parti-là qui sépare. Nous connaissons ça. Mais on ne va pas aller là-bas. On va garder ça au chaud. On va garder ça au chaud. On a des dossiers lourds. Très, 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 très lourds. Mais ça là, c'est entré en matière. Ça là, c'est apéritif. Maman Le Réunion, il faut bien attacher ton kiwa. Parce qu'on sera sur toi. Il dit bien sur toi. On va t'écouter une dernière fois.
Tu parles de l'ancien pays. Tu dis que il n'y a pas de nouveauté. La Côte d'Ivoire n'est pas nouvelle. Mais dans ton discours est tellement paradoxal. Tu dis, tu parles de nouvelle Côte d'Ivoire. Non, tu dis que tu ne reconnais pas ce qu'on appelle nouvelle Côte d'Ivoire. Parce que le périmètre, la superficie de la Côte d'Ivoire n'a pas changé. Alors que toi-même, tu parles de nouveaux partis. Non seulement ça, tu parles de nouveaux. Mais tu parles d'anciens PD, anciens FPI. Moi, je ne comprends pas, Madame Le Rougnon. Je ne comprends pas. Lorsque nous parlons de nouvelle Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, en tant qu'entité, c'est-à-dire en tant qu'entité physique, là, et puis entité sociale, démographique, entité financière, toutes les entités, c'est de ça qu'ils parlent. C'est de ça qu'on parle. Parce que la Côte d'Ivoire, elle est là, mais les hommes. Il y a des choses nouvelles qui viennent en Côte d'Ivoire. La technologie et consorts. C'est de ça qu'on parle. C'est pourquoi on parle de Côte d'Ivoire nouvelle. La mosaïque de la population de la Côte d'Ivoire a changé. La diversité. Il y a eu des brassages de population. Des brassages de culture. Il y a des gens qui ont eu des enfants avec des Arabes, des Noirs, des Juifs, etc., etc. Il y a le changement. C'est de ça qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle la Côte d'Ivoire nouvelle. C'est dans cette perspective-là que nous, on parle de Côte d'Ivoire nouvelle. Puisque la Côte d'Ivoire, c'est une continuité. La politique, c'est une continuité. Oui, c'est vrai. Mais néanmoins, il y a des choses qui sont nouvelles en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. On va t'écouter un peu encore. J'ai libéré les Ivoiriens. Il y a une nouvelle Côte d'Ivoire. Il y a une nouvelle Côte d'Ivoire. Quand les gens disent nouvelle Côte d'Ivoire, ce n'est pas péjoratif. C'est réellement, il y a une nouvelle Côte d'Ivoire. Quand les gens disent nouvelle Côte d'Ivoire, c'est sur plusieurs paramètres. C'est un paradigme qui change quand on dit nouvelle Côte d'Ivoire. On parle de tout ce qui est géopolitique, militaire, la technologie de pointe, l'Internet, les réseaux sociaux. You know? Les nouvelles personnes qui sont en Côte d'Ivoire, les nouveaux étrangers, la démographie. La géographie, elle n'a pas changé. Ça, c'est sûr. Mais à part la démographie, le state, c'est-à-dire que l'État Côte d'Ivoire n'a pas changé en tant que 360, you know, la superficie. Mais la Côte d'Ivoire, elle a changé. De la manière dont tu dis, c'est ton opinion que la Côte d'Ivoire n'est pas nouvelle, mais c'est l'ancienne. Moi, dans mon opinion, la Côte d'Ivoire a changé. Tu dis bien, elle a changé. Nous sommes dans un autre paradigme en Côte d'Ivoire en 2021. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'Oufo-Boigny, ni la Côte d'Ivoire de Papa Bédier, Nanan Bédier, ni du président Gbagbo, où il est parti, ça fait 10 ans. Il y a 10 ans qu'il a ajouté à nos âges. On a eu 10 ans de plus. C'est de ça qu'il est question, Madame Le Rougnon. On va t'écouter.
Le président Gbagbo, on va finir avec toi, madame Le Réunion. Le président Gbagbo, c'est vrai, il n'a pas fini ses mandats. Mais il a fait ses preuves en Côte d'Ivoire. En tant que chef d'État, il a fait ses preuves. Il y a eu des hauts et il y a eu des bas. Mais vous, les gens de Gbagbo Kro, vous, ce nouveau parti-là, vous ne voulez pas admettre les bas. Essayez de les corriger. You know? Essayez de les corriger. Apaiser les cœurs. Et puis repartir au pouvoir. Si on fait un bilan, il y a eu des hauts, il y a eu beaucoup de bas. Il y a eu même beaucoup de bas. Mais vous n'êtes pas prêt à changer. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à réparer vos torts. Vous n'êtes pas prêt à réparer ce que vous avez fait pour la population. Vous n'allez pas les utiliser. Il dit bien, vous n'allez pas. Tant que nous sommes sur les réseaux sociaux là, vous n'allez pas utiliser les Ivoiriens à vos fins. À vos fins politiques. Il dit bien, à vos fins, vous n'allez pas les utiliser. Nous serons là pour les défendre. Nous serons là pour leur dire ce qui est vrai. Nous serons là pour leur dire leurs droits et aussi leurs devoirs. Si on peut, on n'a pas la science infuse, mais on fera l'effort pour que lorsqu'ils vont aller voter là, ils savent que celui qu'on va voter là, il veut vraiment la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Il veut que son café cacao là, on paye bien. Son nakad, son coton, son éveillat, son ananas, son manioc, son bois. Et puis, il est en sécurité même en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Vous avez fait vos preuves. Vous avez fait vos preuves. Vous êtes un parti. Vous êtes dans la division. Vous n'êtes pas dans la réconciliation. Tous vos actes, toutes vos actions là, ça n'appelle pas à la réconciliation. Plutôt la... Et puis, vous, moi, ce qui me fait mal, c'est qu'ils évoluent comme ça. Hein. Ça a la tête baissée, sans moi seulement. Ils veulent forcément partir. Ils veulent forcément venir au pouvoir. On vous a dit que le plan Gbagbo là, si vous les à côté, les Akoto Yao là, si vous étiez resté tranquille là, devant le monde, il pouvait repartir dans son fauteuil présidentiel. Il pouvait repartir parce qu'on l'a débouté de son pouvoir comme ça. Le droit allait faire que on allait, tout le monde allait sa voix de façon intrinsèque qu'il pouvait repartir. Mais vous avez fait tout pour ne pas qu'il reparte au fauteuil. Maintenant, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Au 21e siècle, là, si on veut utiliser la démocratie là, pour aller au pouvoir, vous ne pouvez pas partir. Le président Gbagbo, il est d'un certain âge. Il lui-même l'a dit, il ne veut plus faire la politique. Mais vous l'envoyez quand même. Vous le prenez comme un sacrifice à l'abattoir. Il ne parle pas, vous dites qu'il a parlé. Il parle, vous dites qu'il a parlé. Quand il sort pour parler, c'est la reconnaissance de sa petite femme seulement qui veut qu'on le sache. On ne peut pas construire un pays seulement en reconnaissant lui sa petite femme. Il n'a pas posé d'acte de réconciliation à part avec M. Alassane. Il n'y a aucun acte. Il n'y a rien qui parle pour lui. Il n'y a rien. C'est vrai, nous l'avons défendu à cause de la justice. Mais après son arrivée, on n'a rien vu. Il fait que, vous le faites que, qu'il se pavane. Au Congo, en Italie, et par-ci, par-là. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Nous, les Ivoiriens, ne sommes pas quand même, prenez-nous au sérieux. Quand on va s'en sortir? Quand on va s'en sortir? Vous nous sacrifiez. On ne va pas vous laisser venir au pouvoir. Hein. On ne va pas vous laisser venir au pouvoir. Ce n'est pas possible. Sinon, Addo n'a qu'à rester. C'est vrai, Addo, là, il a mal fait. Il a fait beaucoup de choses. On n'est pas du tout content de lui. Lui non plus. Il dit bien, lui non plus. Mais il a tellement tourné les choses. Il a tellement tourné. Il était tellement patient. Il était tellement intelligent. Il était tellement... Il ne sait pas comment il s'est arrangé. Mais vous êtes tombés tous dans son panneau. Vous êtes dans la moule de Addo actuellement. Vous, les gens du nouveau parti, là. Il vient dans sa moule. Une moule, là. Vous, tu connais, vous, madame Lourdes, tu connais moule, non? Moule comme on fait gâteau là, et puis ça prend la forme là. Vous êtes dans le moule de Addo actuellement. Vous êtes dedans même. Au moment où on dit non à la désobéissance civile, vous dites oui. Vous êtes allé poser la candidature du monsieur là. Après ça, vous dites que non, madame Gbagbo, elle est traite. Ils font rien.
Il faut rire. Moi, on ne va pas se laisser faire. Moi, sérieusement, moi, je suis déterminé, gamin mobilisé. On ne va pas se laisser faire. La Côte d'Ivoire, là, c'est notre pays. C'est le seul bien qu'on a. On ne va pas donner ce genre de cadeau. Il y a d'autres qui ne sont pas lucides, mais il y a d'autres qui sont très, très, très lucides. Il est très, très lucide. Ce n'est pas du jeu, mon frère. Maman, plutôt maman Nicole Payenne. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Il y a beaucoup de cultisme dedans. Il y a tout dedans en même temps. Mais Dieu est grand. Moi, j'ai la foi en Dieu. C'est la foi qui va nous sauver. La foi en Dieu et puis la foi en nous-mêmes. Et la détermination. Sans peur, sans crainte. L'engagement. C'est de ça qu'il est question. On est dedans, on est dessus. Forever. C'est de ça qu'il est question. On ne laisse pas tomber le truc là. On ne laisse pas. On ne laisse pas. Vous avez fait vos mandats, vous avez fait deux mandats. On vous a vu, hein. On vous a vu sur le terrain. On vous a vu sur le terrain. C'est vrai, il n'a pas fini son deuxième mandat, mais on l'a vu sur le terrain. Vos histoires de refondation, vous pensez de lui faire ça encore? Vous êtes dans du faux. Connons les pionniers. Tu es pionnier où? Mais prenez les Ivoiriens au sérieux. Tu es pionnier où? Tu as été pionnier des FPI où? Vous avez vu que le FPI d'avant, c'était un grand parti. Le monsieur l'a fait, il a désamorcé, il a démantelé ça. Vous êtes divisé en trois. On vous avait dit ça, non? Vous étiez en train de faire votre truc avec Gbagbo Kro. Depuis la CPI, on savait ça sur les réseaux sociaux. Nous qui étions pro-Gbagbo, nous savions ça. Mais nous disons maintenant, vous allez sortir par la petite porte, par la porte de derrière. C'est là-bas que vous êtes sorti. Vous qui êtes à côté là, c'est par la porte de derrière que vous êtes sorti. Parce qu'on ne va pas vous laisser, on ne va pas lâcher. Politiquement, on ne va rien lâcher. Ça ne chauffe pas. On est serré sur notre tabouret. On vous attend. On vous attend. On vous attend. Coucou, salut Estelle Quadio. Sois la bienvenue, ma soeur. On vous attend. À chaque fois que vous faites votre discours de carabistouille et puis de Jérémiade, je sors. Vous les leaders, vous les nouveaux partis là. Chaque fois que moi j'entends, quand vous m'envoyez là, pensez que j'allais partager là. J'ai fait discours sur vous. J'ai vous décortiqué. J'ai vous cramponné. Hein, mes pères de mag. Je vais vous cramponner. C'est de ça qu'il est question. Les Ivoiriens ne sont pas des cobayes. Hein. Les Ivoiriens là, leur papa aussi, leur maman les a accouchés. Hein. Les Ivoiriens ne sont pas lâchés à canon. Hein. Ils ne vont pas aller marcher pour vous. Hein. Ils ne vont pas aller marcher pour vous. La même, ils sont morts. Et puis toi, le président de l'Angbago, tu as dit non. Que la plainte qu'ils ont faite contre les Français, tu as dit non. Ils n'ont qu'à laisser. Tu veux faire du bien aux Français, tu veux faire du bien. Ils ne t'ont pas enlevé quand même. On t'a dit que cela allait faire du bien. Tu veux faire du bien, ils vont t'enlever. Tu ne veux pas du bien, ils vont t'enlever. Donc, fais ce que tu peux faire pour ton peuple. Le dos du nageur, il a nagé jusqu'à... Il a attrapé le poisson. Tout ça là. Ça ne peut pas commencer, ça peut pas continuer comme ça. Oui. Ardo les chicote même. Oui. Il peut les chicoter, il les a chicotés. Nous, on n'est pas comme ça. Hein. Si on est démocratie là, on ne va pas se laisser faire. Vous avez mal... Le père Gbagbo était un homme charismatique. Il avait la carrure, la personnalité, la prestance. Il avait toutes les qualités. Mais la seule qualité qui lui manquait là, c'est la fermeté. Il n'était pas un président ferme. Il a laissé trop son entourage le manipuler. Et actuellement, il est laissé à un certain âge. Il ne peut pas venir au pouvoir. S'il vient au pouvoir là, c'est les Akoto Yao là. Qui vont diriger la Côte d'Ivoire. On ne veut pas ça. Si c'est ça, Ado n'a qu'à rester. Il n'a qu'à rester. Ou bien quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est mieux cet équilibre-là. Parce que dans ça, là, on a vu votre manière de vous comporter. Là. On a vu comment le nageur nage. On a vu comment son dos est, la forme de son dos, on a vu. Trop, c'est trop. On ne peut plus accepter ça. Il dit, mais on ne peut plus accepter. C'est de ça qu'il est question.
Et donc les Ivoiriens, c'est ce qu'ils voulaient partager avec vous. Sachez que nous sommes aux aguets, nous veillons au grain pour vous informer de ce qui se passe dans ce nouveau parti qui va sortir là, qui va éclore là, le parti du président Laurent Gbagbo. Et avec tous ceux qui sont autour de lui là, nous les attendons. Sachez que c'est un parti qui émane d'une division. D'accord? Émaner, ça veut dire qu'il sort d'une division. C'était un parti, l'ancien FPI, qui était regroupé. Après, cette liberté du président Gbagbo, au lieu qu'on voit une certaine réconciliation, nous constatons une division profonde, vraie, que nous avons prédit, peut-être, on peut dire même peut-être 3 ans avant, lorsque Alex Zaté faisait cette vidéo. Alors, soyez à l'écoute. Concentrons-nous jusqu'à ce que on libère notre pays de la main de ceux qui veulent nous mélanger les pinceaux là. Vous les connaissez, je n'ai pas dit leur nom. Partagez la vidéo, likez-la, commentez-la, soyez libre. You know, soyez libre, likez-la, commentez comme vous voulez. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais sachez que vous avez un seul pays. Battez-vous de toutes vos forces pour que ce qui est de droit vous revienne. C'est pour votre pays. C'est votre pays. Je vous remercie, les Ivoiriens. Même, en parenthèse, Gbagbo-Kro même est divisé. Il dit même Gbagbo-Kro là, il y a du feu à Gbagbo-Kro. Le chef du village de Gbagbo-Kro même là, on l'a destitué même. Ils sont toujours dans l'appropriation, tout le temps. Ils aiment s'approprier. Quand ils n'arrivent pas à créer quelque chose, ou même quand ils n'ont pas créé quelque chose, ils s'approprient. Ce qui n'est pas à eux, ils veulent toujours prendre. C'est pour ça qu'on vous attend au tournant. C'est pour ça qu'on veut vous voir maintenant sur le terrain. C'est pour ça qu'on vous voit dans le labo maintenant. Allez créer votre parti, on va voir. C'est de ça qu'il est question. Même Gbagbo-Kro, de chef du village là. Le chef du village se plaint à Gbagbo-Kro. Il dit, mais le chef du village se plaint à Gbagbo-Kro. Jusqu'à la fin vidéo, allez voir sur les réseaux sociaux. Le chef du village de Gbagbo-Kro se plaint. Ils sont dans la division. Ils sont dans la récupération. Ce qu'ils n'ont pas créé là, ce qui n'est pas de leurs idées là, avec eux là, il faut droit d'auteur. Si tu ne mets pas droit d'auteur sur ton truc, ils prennent ça par force. C'est comme ça chez eux. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Il dit, mais c'est comme ça ils sont. Ils ne créent jamais les choses, ils falsifient. Soit s'ils n'ont pas pu falsifier, ils prennent ça. C'est pour ça qu'il y a le bras de fer entre eux et Afi. Maintenant, on va les voir. Eux, ils disent qu'ils sont pionniers. Même ils sont pionniers là. C'est de façon fallacieuse. Sinon, de façon fallacieuse. C'est de façon fallacieuse. Quand je ne peux pas dire que vous avez un abus de langue, je dis mais c'est de façon fallacieuse. Parce que l'Orient n'a jamais été pionnier. S3, oui, je suis pionnier. Tu es pionnier où? Tu n'as jamais été pionnier. Maman, l'Orient. Tu veux forcément être pionnier. Ok, va au pied du mur. C'est là-bas qu'on voit les vrais bâtisseurs. C'est là-bas qu'on voit les vrais pionniers et pionnières. On va te voir. On attend votre parti là. On va voir combien de militants vous allez envoyer dans votre parti là. Et puis ne jouez pas à l'esprit de nos mamans là. Ne jouez pas à l'esprit de nos mamans là qui vendent bof l'auto là. Ne jouez pas avec l'esprit. Nos mamans là, elles ont trop de problèmes. Votre gamme là, ne jouez pas à notre maman. Vous jouez le président Gbagbo comme vous voulez là. C'est pas notre maman hein. Nos mamans de Vridi, de Port-Boué, je ne sais pas quoi du sud là. Lisa est là pour dire la vérité. Il dit, Lisa est là pour dire, avec tous ces autres frères fusibas, on va parler de ça. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. On vous attend, Maman Le Réunion. On t'attend avec ton nouveau parti. Ça au moins, on va reconnaître que tu es vraiment une pionnière de ce parti-là. De ce parti-là. On va reconnaître. Vous n'allez pas usurper la position de pionnier quelque part encore. On va venir dire ça sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas pionnier de quoi que ce soit. À part votre nouveau parti, on ne connaît pas le nom. On va connaître ça bientôt. On vous attend. Et à partir du 17, là, c'est là qu'on va se laisser. Vous et moi, Lisa Vanta, sur les réseaux sociaux, on va se laisser là. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'on ne sera plus amis. On sera maintenant des adversaires politiques. Parce que nous, on a déjà mis nos pieds sur le caillou. On a déjà contourné le caillou. Et on a nos pieds sur un autre caillou.
On vous voyait venir. On vous voyait venir. On vous voyait venir. Les Ivoiriens, je vais vous laisser. Je ne vais pas prendre tout votre temps. J'ai fait coucou à tous ceux qui sont déjà là. Que je n'ai pas fait de coucou. À Sylvain, je te fais gros coucou, Sylvain. Roméo, je te fais gros coucou. Roméo Oulier, je te fais gros coucou. Betty Kouo, je te fais gros coucou. Ah, Casimir, Otobra, ou bien Atobra. Je te fais de gros coucou, Atobra. Mon chéri Eric Liri, je te fais de gros coucou. Alice Ginac, je te fais de gros coucou. Balou, merci beaucoup, je te fais de gros coucou. Yannick, ah oui, Bridgie, je te fais gros coucou. Bali Ali, je te fais de gros coucou, mon frère, sois béni depuis ta position. Je te fais de gros coucou, Roma, AC, sois salué, mon frère, depuis ta position. Et merci à ma maman chérie, ma vieille mère Morissette Moulot. Je te fais de gros coucou. Je vous aime, les Ivoiriens. On est ensemble. On est ensemble jusqu'à Las Caras. Bye bye. Bye. Oh, coucou aussi à... ok. Alors, moi aussi. Alors, ceux qui viennent sur mes vidéos, ce sera une parenthèse avant de finir. Ceux qui viennent sur mes vidéos et puis qui disent que non, que je n'ai rien à dire là, je vous en prie, gagnez temps. Allez faire vos vacances. Ça dit, ne regardez pas quand quelqu'un ne dit rien. Là, on n'écoute pas. Donc, ça veut dire que tu écoutes le vent. Donc, si je ne dis rien, allez vous faire des vacances. Allez jouer ailleurs. C'est tout. Donc, c'est ce que j'aimerais dire avant de finir pour ceux qui vont venir mettre les commentaires, etc., etc. Bisous à vous et à très, très bientôt. Bye.